pas juste. Ça avait été une énorme révélation pour moi. Hélène Walsh, une famille anglaise, j'ai lu. Pour moi, c'est une, avec Fletcher, c'est une des plus grandes écrivains anglaises contemporaines. On l'avait énormément vendu. Je sais que vous l'aviez énormément aimé, mais ça n'avait pas eu le succès énorme que je trouve qu'il aurait mérité. Alors, comme ça ressort en poche, là, allez-y, c'est pas cher, ça vaut 8,40. Bah, c'est l'histoire d'une jeune, je crois qu'elle est pakistanaise, hein, elle est mariée à un jeune rocker, tout va bien. Alors lui, il est un peu drogué, alcoolo et tout, et puis sa carrière va repartir. Et là, il s'est dit, j'arrête tout, je reste avec cette femme que j'aime, je reste avec cet enfant. Tout va, voilà, je repars, et c'est vrai que, mais le problème c'est que pendant qu'il va à une répète, elle est violée par trois skinheads dans sa maison, et là, elle va rien lui dire au début, tout va se déglinguer, lui il va pas sentir et ça va se déglinguer, elle a un fils, ça va se déglinguer, et il y a ce fils au destin extraordinaire, c'est toute l'Angleterre des années Thatcher. C'est une histoire de femme, vous en prenez plein la tête. Et puis ce type, bon, bah, c'est un malheureux hein, dans l'absolu, parce qu'il méritait mieux que ça, parce que dans sa vie, il était parti pour faire autre chose. C'est magnifique. Si vous aimez Susan Fletcher, Avis de tempête et tout ça, vous retrouverez là-dedans la qualité de ce bouquin. Et puis il y a des bouquins, c'est vraiment des romans dans lesquels il y a quelque chose, quoi. Il y en a un peu marre. Il y a un truc que j'ai un peu marre, c'est on est au fin fond des États-Unis, cette ville a un secret, cette famille a un secret, va-t-elle le révéler? J'en peux plus, ça. Genre les bouquins d'Albin Michel, je n'en peux plus. Les États-Unis, leur secret, j'ai l'impression que tout le monde a un secret, que toutes les New York, ça n'existe pas, que tout le monde est... Il y en a marre. Ça, c'est 10 fois plus tragique, mais c'est aussi 10 fois moins noir, blanc. C'est tout en grisaille, c'est toute la vie, comment un destin se... de dérailler, comment ce qui pouvait être un bonheur devient une tragédie. C'est une merveille.